L'année 2021 pour l'agriculture, c'est l'année de tous les dangers. En fait, on a eu un premier semestre très pluvieux, avec une dépression Lucas, un cyclone Niran, qui a vraiment mis à mal la partie agricole et donc des grosses difficultés à produire, à rentrer dans les champs. Et à partir de juin-juillet, les gens ont pu commencer à travailler et tout le monde a planté en même temps. Et on arrive aujourd'hui en septembre-octobre au pic de saison maraîchère. Et patatras, on se retrouve à la situation où on est en confinement, Covid circule. Et donc, une grosse partie de nos circuits de distribution sont bloqués aujourd'hui. Depuis le mois de septembre, on vend plus d'igname, à part quelques-uns comme ça à la famille, mais on n'en vend plus du tout autrement, comme le marché est fermé, quoi. Ça fait longtemps, hein, peut-être environ une trentaine d'années. Oui, c'est la première fois que je vois une situation comme ça, quoi. Hein. Oui. J'espère que le marché rouvre afin qu'on puisse écouler le reste de notre production, quoi. Parce que c'est un peu gênant pour l'instant, la situation actuelle, quoi. Environ 450-500 kilos par mois, on arrive à écouler. Ouais. Et là? Ben zéro. Zéro parce qu'il n'y a plus de marché, quoi. Oui, dans la mesure où les canaux de distribution étaient quasiment tous bouchés et fermés, donc à un moment on était inquiet, comme tout citoyen calédonien, on était inquiet du fait de l'arrivée du virus. L'inquiétude aujourd'hui, elle s'est transformée en incompréhension. Parce que d'un côté, on ne peut pas ouvrir les marchés, et de l'autre, les consommateurs peuvent se rendre dans les commerces classiques et la grande distribution pour se fournir. Alors nous, on considère qu'il n'y a pas plus de risque, notamment avec les protocoles que nous proposons, d'aller faire ses courses dans un marché que dans un commerce. La réouverture des établissements scolaires prévue la semaine prochaine, pour les agriculteurs, on considère ça comme une bouffée d'oxygène à venir parce que la réouverture des cantines scolaires, c'est aussi des milliers de repas par jour qui pourront être préparés et nous l'espérons avec le maximum de produits locaux. L'une des conséquences aujourd'hui, c'est qu'il y a du gaspillage de production agricole et l'ouverture des cantines, c'est pour nous une vraie perspective, une vraie bouffée d'oxygène parce qu'une partie de ces produits pourra être transformée pour les repas des enfants.